Un soir de décembre 1957, deux fillettes s'amusent ensemble au coin de la rue où se situe leur maison. Jusque-là, rien d'inquiétant. Mais la donne change lorsqu'un jeune homme les approche. Il est plus âgé qu'elles et elles ne le connaissent pas, mais il semble pourtant avoir très envie de prendre part à leur jeu d'enfant. Un peu trop même. Salut les filles, vous vous amusez bien? Vous voulez faire un tour sur mon dos? Ces deux phrases lancées par l'inconnu, aussi bizarres que dérangeantes, vont être le point de départ d'une affaire qui va traumatiser une ville entière et qui ne sera résolue que bien des années plus tard, après des rebondissements qui n'ont rien à envier à un scénario hollywoodien. L'affaire va d'ailleurs devenir le plus ancien cold case des États-Unis, débouchant enfin sur un procès. Générique. Nous sommes le 3 janvier 1957 et il y a fort à parier que la neige ne tardera pas à tomber dans la petite ville de Sycamore, située à quelques dizaines de kilomètres de Chicago, dans l'Illinois. En fin de journée, la petite Maria Ridulph, 7 ans, est sur le chemin du retour de l'école. Maria est née le 12 mars 1950 à Sycamore. Elle est la fille de Michael et Frances Ivy Ridulph et la benjamine d'une fratrie de 4 enfants. Elle n'est qu'en CE1, mais elle adore l'école et elle a déjà d'excellents résultats scolaires, malgré pourtant un tempérament bien affirmé. En effet, la petite dernière de la famille a tendance à être nerveuse et à donner facilement de la voix lorsque quelque chose la contrarie. Maria est très souvent avec sa meilleure amie, Cathy Sigman, 8 ans, avec qui elle rentre d'ailleurs ce jour-là parce qu'elles sont également voisines. Histoire de rester dans le thème hivernal, les fillettes décident d'aller chez Maria pour découper des flocons de neige en papier, et si Cathy retourne chez elle pour le dîner, les deux amies se retrouvent ensuite à nouveau pour jouer dehors. Il commence enfin à neiger et elles veulent en profiter. Elles choisissent alors de se retrouver à un endroit qui est l'un de leurs favoris. Il s'agit d'un grand orme planté à l'intersection entre deux rues, Center Cross Street et Archie Place, la rue où est située la maison de Maria. Les fillettes, une fois sur place, entament une partie d'un jeu qu'elles appellent « Duck the Cars », en français « Évite les voitures ». Et elles font des allers-retours entre l'arbre et un poteau situé un petit peu plus loin dans la rue, en tentant d'éviter la lumière émise par les phares des voitures qui approchent. Il n'y a pas que les voitures qui s'approchent parce que, rapidement, un jeune homme blond, d'apparence plutôt soignée, s'avance vers elle. D'une voix assez fluette, il les salue et leur demande si elles s'amusent bien. Marie et Cathy ne le connaissent pas, mais il leur révèle qu'il s'appelle Johnny, qu'il a 24 ans et qu'il n'est pas marié. Alors, je sais pas vous, mais déjà, ça me semble assez bizarre comme façon de se présenter à des enfants de cet âge. Et pour continuer dans la bizarrerie, il poursuit en leur proposant de faire un tour sur son dos. Si Cathy, qui est de nature un petit peu plus prudente, décline sa proposition, sa meilleure amie, qui est, elle, beaucoup moins méfiante et adore ce genre de jeu, accepte. Johnny s'exécute et fait alors quelques mètres en trottant avec une Maria hilare sur son dos avant de relancer la discussion en demandant aux filles si elles aiment les poupées. Leur réponse ne se fait pas attendre et elles acquiescent. Maria décide donc d'aller chercher l'une de ses poupées afin de la montrer à Johnny. Une fois revenu, c'est au tour de Cathy de s'absenter brièvement, mais pas pour aller chercher sa poupée. Il fait froid et elle veut récupérer ses mitaines qui sont restées chez elle. Elle propose à Maria de l'accompagner, mais son amie refuse et lorsqu'elle revient, elle est assez surprise de constater qu'il n'y a plus personne à côté de l'orme. Cathy parcourt plusieurs fois la rue où vit Maria en l'appelant, mais cette dernière ne lui répond pas et ne réapparaît pas non plus, raison pour laquelle elle se rend chez les Ridulph pour leur faire part du problème. Sur place, elle alerte le frère de Maria, Chuck, qui est âgé de 11 ans, et ce dernier commence des recherches dans le quartier, des recherches qui malheureusement ne donnent rien. Cathy rapporte à la famille de son ami leur rencontre avec Johnny, et l'inquiétude grandit au sein du foyer des Ridulph, ce qui pousse Frances à aller signaler la disparition de sa fille au commissariat aux alentours de 20h10. Heureusement, dans la petite ville de Sycamore où ils vivent, énormément de gens se connaissent et rapidement, de nombreux voisins se joignent aux recherches de la famille de Maria, maintenant aidée par la police. La poupée de la petite fille est retrouvée à quelques maisons de l'orme, dans la neige, mais toujours aucune trace de sa propriétaire, ni même de Johnny. Il fait nuit, ce qui ne facilite pas les recherches, et c'est ainsi que plusieurs hommes se rendent chez les Tessiers, qui vivent un peu plus loin, au 227 Center Cross Street, pour leur demander des lampes torches et des lanternes. Parce que Ralph Tessier tient le magasin de bricolage du coin et il a, comme tous,
très envie d'aider la famille de Maria à la retrouver. Ce soir-là, malheureusement, malgré une mobilisation importante, personne ne trouve aucune trace d'elle. Le lendemain matin, la triste nouvelle fait la une du journal local et en parallèle, des battues débutent dans les champs qui entourent la ville. La police d'État de l'Illinois érige une demi-douzaine de barrages routiers, les wagons stationnés sur les rails ainsi que la gare routière sont fouillés, tout comme les chambres de motels et quasiment toutes les maisons de Sycamore. Rien n'est laissé au hasard. Les enquêteurs, eux, commencent à peine leur investigation et ils rencontrent déjà une première difficulté, et pas des moindres. Personne ne semble pouvoir dire à quelle heure exactement Maria a été vue pour la dernière fois. Heureusement, le FBI arrive en renfort 2 jours après le début de l'enquête et les interrogatoires qu'ils mènent permettent d'obtenir une fourchette horaire. Selon toute vraisemblance, Maria Ridulph a disparu le 3 décembre 1957 entre 18h45 et 19h à peu près. Malgré ce premier éclaircissement, aucune progression réelle n'est effectuée par les autorités alors que la fillette, elle, reste toujours introuvable. Sa mère s'exprime dans les médias pour demander à ce qu'elle soit libérée en espérant que celui qui l'a possiblement enlevée ne soit pas sourd à sa supplique. Frances craint que le tempérament nerveux de sa fille ne puisse le conduire à agacer très rapidement son ravisseur. La meilleure amie de Maria, Cathy, qui est la seule à avoir vu l'homme suspecté d'avoir commis l'enlèvement, est placée sous protection policière permanente et on lui présente toute une série de photos d'hommes ayant déjà commis des crimes ou étant recensés comme des prédateurs sexuels dans la région. Malheureusement, elle ne reconnaît Johnny sur aucune d'entre elles. Et le silence de cet homme inquiète d'ailleurs les enquêteurs parce que si aucune demande de rançon n'est formulée, ça signifie, comme ils le redoutent déjà, que le motif de l'enlèvement était peut-être d'ordre sexuel justement. Les forces de l'ordre redoublent d'efforts, mais 3 jours après la disparition de Maria, le procureur Carl Swanson affirme qu'ils ont déjà suivi un bon nombre de pistes, mais qu'aucune n'a pour le moment été concluante. Ceci dit, la police espère qu'une nouvelle piste, offerte par un appel anonyme, passée directement au commissariat, va enfin pouvoir déboucher sur quelque chose. La plante a confié qu'un garçon nommé Treschner, qui vit non loin de chez les Ridulph, correspond à la description du suspect recherché. Et si dans ce quartier il n'y a aucune famille Treschner, un autre nom s'en approche néanmoins, celui des Tessier. Alors, ça se ressemble de très loin en français, mais je suppose qu'en anglais ça doit se prononcer Treschner et Tesher, à peu près, hein. Du coup, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine ressemblance en fait. Quoi qu'il en soit, la ressemblance est suffisante pour que 2 agents du FBI se présentent à leur porte le 8 décembre. Ralph Tessier, le propriétaire du magasin de bricolage, et sa femme élèvent 7 enfants ensemble, dont un issu du précédent mariage d'Aileen, prénommé John. John, Johnny. Et c'est de ce dernier dont il est question parce qu'il a effectivement une apparence très similaire à celle du suspect recherché. Cela dit, il ne peut s'agir que d'une coïncidence parce que John Tessier, âgé de 18 ans, ne se trouvait tout simplement pas à Sycamore lorsque Maria a disparu. Il vient de s'engager dans l'US Air Force et était, ce soir-là, dans un centre de recrutement de l'armée situé dans la ville de Rockford, à 60 kilomètres à peu près de Sycamore. De plus, les relevés téléphoniques semblent accréditer sa version des faits parce qu'un appel a été passé au domicile des Tessier depuis Rockford aux alentours de 19h. Au téléphone, c'était John Tessier qui demandait à ce qu'on vienne le chercher et sa mère confirme qu'après être rentré avec son beau-père, il n'a ensuite plus quitté la maison jusqu'au lendemain. Le FBI fait tout de même passer un test polygraphe au jeune homme, mais les résultats obtenus permettent de le mettre définitivement hors de cause. C'est une nouvelle piste qui tombe à l'eau et les jours passent, alors que l'enquête continue de piétiner sérieusement. L'affaire bénéficie pourtant d'une importante mise en lumière médiatique parce que ce sont maintenant les journaux nationaux qui s'y intéressent. Et les retentissements de la disparition de Maria sont tels que même John Edgar Hoover, le directeur du FBI, et Dwight Eisenhower, le président des États-Unis en personne, gardent un œil sur les avancées des investigations. Mais du côté des forces de l'ordre, police locale comme FBI, un essoufflement se fait sentir parce qu'après avoir tenté de faire la lumière sur 250 pistes et mis hors de cause 200 suspects potentiels, les autorités n'ont trouvé aucun indice solide. Alors que Noël arrive à grands pas, c'est une période bien sombre qui s'annonce à Sycamore et les habitants, encore profondément choqués par l'enlèvement de Maria Ridulph, ne sont pas au bout de leur surprise. Pour vous replacer dans le contexte de l'époque, Sycamore, qui compte à ce moment-là 7000 habitants, c'est un petit peu comme une grande communauté.
Alors, une enfant du coin qui disparaît, c'est presque un traumatisme pour tous les habitants. Les gens ne s'imaginaient même pas que ça pouvait arriver. Dans leur esprit, ces choses-là ne se produisaient que dans les grandes villes. D'ailleurs, police locale comme habitants ont tendance à se dire que le coupable ne peut être qu'une personne de passage, parce que si ça n'est pas le cas, c'est forcément quelqu'un qu'ils connaissent, au moins de vue, et ça, c'est d'autant plus impensable pour eux. Suite à l'enlèvement de Maria, le sentiment de sécurité qui régnait à Sycamore a maintenant complètement disparu. Un journal local publie une photo de la famille Ridulf en train d'emballer les cadeaux de leur petite dernière, encore activement recherchée, mais malheureusement, les fêtes vont passer sans aucune avancée dans l'enquête. Plusieurs mois vont même se succéder, sans l'ombre d'un indice. Il faudra attendre le printemps, plus précisément le 26 avril 1958, pour qu'une triste découverte vienne finalement relancer l'affaire qui était au point mort. Un homme, à la recherche de Maury aux alentours de Woodbine, à presque 200 km de Sycamore, aperçoit, caché sous un arbre partiellement renversé, ce qui semble être des restes humains, dont la taille laisse à penser qu'il pourrait s'agir de ceux d'un enfant. L'état du corps est très dégradé, mais on peut encore voir que la victime portait une chemise à carreaux noirs et blancs, un maillot de corps et des chaussettes marron au moment de son décès. C'est ce qui permet à Frances Ridulf d'affirmer qu'il s'agit probablement du corps de Maria, ce que ses empreintes dentaires viendront malheureusement confirmer peu de temps après. Une autopsie est conduite, mais l'état de décomposition très avancé de la dépouille ne permet pas de mettre en lumière les causes exactes du décès. Il est seulement confirmé qu'il est d'origine criminelle. Et si la découverte du corps de Maria a effectivement apporté une conclusion à ce qui n'était jusqu'alors qu'une affaire de disparition, il reste à élucider la question de l'identité de celui qui a enlevé la fillette ce 3 décembre 1957 pour ensuite lui donner la mort. Parce que oui, près de 6 mois se sont écoulés depuis les faits et celui qui disait s'appeler Johnny n'a toujours pas été retrouvé. L'homme, qui est très probablement un meurtrier, est encore dans la nature. Et l'identité de cet inconnu va demeurer un point d'interrogation pour la police encore quelques temps, parce que l'enquête finit par être laissée de côté, et qu'il faudra attendre pas moins de 40 ans après l'enlèvement pour que l'affaire soit enfin relancée. Nous sommes en 1997, et c'est un lieutenant de la police de Sycamore, Patrick Solar. Non, je vous arrête tout de suite, rien à voir avec Claude M.C. Hein. Le lieutenant Solar, donc, remarque d'étranges similitudes entre le meurtre de Maria et celui d'une autre petite fille de 8 ans, originaire de Pennsylvanie, en 1951. William Henry Redmond, un routier décédé en 1992, qui était le principal suspect dans cette affaire, avait fait des confidences troublantes à l'un de ses co-détenus lors d'un de ses passages en prison. Il lui avait révélé avoir commis un meurtre dont le déroulement était très similaire à celui du meurtre de Maria Ridulf. De plus, toujours selon Patrick Solar, son apparence et son comportement en 1957 correspondaient à ceux du principal suspect dans l'affaire, Johnny. Alors, vous allez peut-être me dire que ce sont des preuves un petit peu légères pour accuser quelqu'un, d'autant plus quand l'homme est mort depuis 5 ans et qu'il est de ce fait impossible d'obtenir des aveux ou même un alibi. Et vous auriez raison. C'est visiblement ce que pensait aussi le lieutenant de police, dont le rapport a d'ailleurs été vivement critiqué par ses pairs. Mais pour autant, à ce moment-là, une piste, même très mince, c'est mieux que rien. Et c'est ainsi que Patrick Solar classe l'affaire Maria Ridulf, en précisant toutefois qu'elle n'est pas résolue, ce qui laisse la possibilité aux autorités de trouver un meilleur suspect par la suite. Ce classement de l'affaire, tout bancal qu'il soit, apporte néanmoins la conclusion dont avaient besoin les habitants de Sycamore qui, même 40 ans après, sont toujours bouleversés par l'enlèvement de la fillette. Au moins, ça n'était, comme ils le pensaient, pas une personne de la ville, mais bien un étranger de passage qui avait commis ce meurtre, et ça, ça les rassure. Le problème, c'est que ce que Patrick Solar vient de faire va considérablement compliquer la tâche d'une personne qui, elle, semble posséder des informations qui pourraient véritablement permettre la résolution totale de l'enquête. Cette personne, c'est Janet Tessier, l'une des filles de Ralph et Aileen Tessier. Sa mère, qui est décédée le 23 janvier 1994, qui était assez croyante, a, semble-t-il, ressenti le besoin de faire des révélations, jusque-là gardées secrètes, lorsqu'elle a senti que son heure approchait. Elle était en phase terminale d'un cancer et sous médication palliative lourde, mais malgré tout, Janet a accordé à ses paroles le plus grand des crédits. D'autant plus qu'elle a, tout comme ses frères et ses sœurs, toujours eu une relation très compliquée avec celui qui est concerné par les confidences de sa mère. L'homme en question
C'est le fils aîné d'Aileen et demi-frère de Janet, John Tessier, et on peut effectivement dire que personne ne l'apprécie au sein même de sa propre famille. Et ce que leur mère a révélé à Janet n'a pas arrangé les choses, bien au contraire. Ces deux petites filles et celle qui a disparu, John l'a fait. John l'a fait et tu dois le dire à quelqu'un. Aileen est mourante et Janet ne lui demande pas plus de détails sur le coup, mais elle sait très bien de quelle disparition il s'agit. Et le fait que John puisse être le Johnny qui a enlevé la petite Maria Ridulph en 1957 ne lui paraît pas improbable du tout. C'est la raison pour laquelle Janet tente, depuis la mort de leur mère, de trouver une oreille attentive auprès des services de police. Mais entre certains de ses proches qui lui ont conseillé d'oublier tout ça et les multiples appels qu'elle a passés en vain au commissariat de Sycamore, après plusieurs années, la ténacité de Janet s'est un petit peu essoufflée. Elle a même contacté le FBI qui l'a redirigée vers les services de police locaux. Bref, tout le monde se renvoie la balle. Alors, lorsqu'en 1997, elle apprend que le lieutenant Patrick Solar a classé l'affaire Maria Ridulph parce qu'il a trouvé un suspect, évidemment, elle comprend que sa tâche, qui s'avérait déjà très compliquée, est en train de basculer dans le domaine de l'impossible. Elle se décourage petit à petit jusqu'à abandonner l'idée. Et c'est après une décennie, et surtout une rencontre, qu'elle retrouve l'envie de se battre pour être entendue par les forces de l'ordre. Janet fait la connaissance de Mark Lemberger, l'auteur d'un livre écrit au sujet d'un meurtre non résolu, et ce dernier lui dit clairement que si elle veut qu'une affaire aussi vieille soit rouverte, il faut trouver le bon interlocuteur, celui qui poursuivra l'affaire avec la ténacité d'un bulldog, pour reprendre ses mots. C'est ce qui la motive à contacter la police d'État de l'Illinois le 11 septembre 2008 par email, ce qui sera d'ailleurs sa dernière tentative parce que si personne ne lui répond cette fois encore, elle a décidé qu'elle laisserait définitivement cette histoire derrière elle. C'était une adresse destinée à recevoir des signalements que Janet écrit et elle fait part dans son message de la lassitude qu'elle ressent face à des forces de l'ordre qui font la sourde oreille alors même qu'elle détient des informations qui pourraient leur permettre de faire la lumière sur une affaire non résolue qui date de plusieurs dizaines d'années. Cet email, c'est Tony Rapace qui le lit. Et ce commandant, basé à Elgin et fort de 25 ans de carrière dans la police, sent immédiatement qu'il y a peut-être une piste très sérieuse qui se cache derrière ces mots. Pour s'en assurer, il appelle l'expéditrice et leur conversation le convainc que son intuition était la bonne. Il dit à Janet qu'il ne peut rien lui promettre, mais il lui affirme qu'il va faire tout son possible pour faire la lumière sur ses révélations et, coïncidence, il ajoute qu'il va mettre ses bulldogs sur l'affaire. Les bulldogs en question, ce sont Larry Cote et Brian Hanley. Larry Cote est un analyste civil, souvent employé par les services de police, en raison de son excellente mémoire photographique, mais également pour ses capacités hors normes en ce qui concerne la recherche sur Internet. Son rôle est généralement de retracer la chronologie précise des éléments d'une affaire. Le second, Brian Hanley, est un agent spécial de la division des enquêtes. Habitué à travailler sous couverture, c'est un véritable caméléon qui sait inspirer confiance aux gens et surtout qui sait les faire parler. Or, rappelez-vous, Janet n'est pas la seule de la famille Tessier à avoir du ressentiment envers son demi-frère John, c'est également le cas de tous ses autres frères et sœurs. Ils ont probablement des choses à dire sur lui et Brian Hanley est curieux de savoir ce que c'est. Il débute ses interrogatoires avec Jeanne Tessier, sans savoir qu'il s'apprête à ouvrir une véritable boîte de Pandore, parce que vous allez voir que ce qu'elle va lui révéler est tout bonnement horrifiant. Jeanne est une femme instruite, qui sait s'exprimer correctement. Elle donnait des cours de communication au collège, conseillait les parents d'enfants atteints de maladies incurables, et elle était très active dans la communauté des survivants d'abus sexuels. Et c'est d'ailleurs sur ce dernier sujet qu'elle va s'épancher le plus durant son interrogatoire, parce qu'elle a, malheureusement, été victime elle aussi de ce genre d'agissement de la part de son frère, John Tessier. Jeanne confie à Brian Hanley qu'il l'a agressée sexuellement, mais aussi qu'il l'a ensuite offerte en pâture à deux de ses amis, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Elle était également tenue de faire le guet pour John, pendant qu'il agressait d'autres filles du quartier. Et ce n'est là qu'une partie de ce qu'on peut qualifier d'un historique conséquent en matière de prédation sexuelle. John Tessier est né John Cherry le 27 novembre 1939 à Belfast, en Irlande du Nord, du premier mariage de sa mère Aileen McCullough avec Samuel Cherry. Son père est tué très tôt après le début de la Seconde Guerre mondiale et sa mère, qui sert dans la Royal Air Force, fait par la suite la connaissance de Ralph Tessier,
un soldat américain qui sert aussi en Angleterre à ce moment-là. Il se marie en novembre 1944 et après la fin de la guerre, Eileen McCullough, devenue Eileen Tessier, suit son mari aux États-Unis accompagnée de son fils John, alors âgé de 7 ans. La famille recomposée emménage à Sycamore et John Tessier détonne au milieu des autres enfants de son quartier. Il semble socialement inadapté et déambule souvent dans les rues en pantalon de camouflage avec une épée en bois, tant et si bien d'ailleurs qu'il se voit gratifié du surnom Commando. Eileen et Ralph Tessier, de leur côté, ont ensuite 6 enfants ensemble. Catherine, Jeanne, Marie-Pat, Bob, Janet et Nancy. Et le traitement de faveur que reçoit très souvent leur demi-frère de la part de leur mère tend un petit peu à les agacer. Adolescent, il se fait par exemple expulser du lycée après avoir poussé et insulté un de ses profs, mais Eileen Tessier semble ne pas être capable de blâmer son fils pour quoi que ce soit. À ses yeux, il reste un ange. Et lorsque le FBI frappe à la porte de leur maison, le 8 décembre 1957, les jeunes demi-sœurs de John entendent leur mère rapporter ce qui s'avère être un mensonge aux agents, à savoir que son fils n'a plus quitté leur domicile après être rentré de Rockford le soir de la disparition de Maria Ridulph. Il semble d'ailleurs qu'elle se soit un petit peu emmêlée les pinceaux parce qu'elle donne 2 versions différentes aux forces de l'ordre. À la police locale, elle avait affirmé qu'il n'était carrément pas sorti du tout ce jour-là et qu'il était à la maison lorsque l'enlèvement s'était produit. Ceci dit, vous allez me dire que l'alibi de John reste valable parce que, vous vous souvenez, il a attesté qu'il se trouvait encore à Rockford à 19h, le 3 décembre 1957, et les relevés téléphoniques avaient effectivement accrédité sa version des faits. C'est vrai. Sauf que l'alibi serait incontestable si l'heure précise de l'enlèvement de Maria était connue des forces de l'ordre. Or, ça n'a jamais été le cas. Le moment exact de sa disparition est toujours resté flou. Et Ralph Tessier, le beau-père de John, semble avoir également joué un rôle là-dedans parce que s'il a certifié aux policiers que suite à l'appel de John, il était bien en route pour aller le chercher à Rockford au moment de l'enlèvement, sa fille Catherine, elle, se rappelle de toute autre chose. Elle dit que de 17h à 20h, leur père se trouvait en fait avec elle à DeKalb, une ville à côté de Sycamore, parce qu'il l'avait conduite à un événement social organisé par le club 4H qu'elle fréquentait à ce moment-là. La question est donc, qui dit vrai dans cette histoire? Parce que s'il y a bien des preuves tangibles qu'il s'est effectivement rendu à un centre de recrutement de l'armée à Chicago le matin du 3 décembre, puis à celui de Rockford vers 19h15, il est impossible de savoir avec certitude ce qu'il a fait entre les deux, quand bien même il affirme qu'il n'était pas à Sycamore. Une connaissance a par ailleurs confirmé avoir aperçu la Pontiac de John en ville dans l'après-midi, sans pour autant pouvoir dire si c'est bien lui qui était au volant ou non. Ce qui est sûr, c'est que tous ses proches peuvent attester du fait qu'à ce moment-là, il adorait sa voiture et qu'il ne laissait généralement personne d'autre la conduire. Un autre détail qu'il me semble intéressant d'ajouter, c'est que lors de son fameux rendez-vous au centre de recrutement de l'armée à Rockford, les recruteurs, eux aussi interrogés par le FBI, avaient confié que John Tessier leur avait laissé une drôle d'impression. Le premier recruteur a indiqué qu'il l'avait trouvé tellement nerveux qu'il l'avait pris pour un toxicomane, et l'autre a pensé qu'il avait l'air vraiment perdu. Le lendemain matin, John est retourné une nouvelle fois au centre de recrutement, et le sergent d'état-major John Oswald affirme qu'il avait tenu des propos très étranges. En plus du fait qu'il présentait une coupure à la lèvre qu'il n'avait pas la veille, le jeune homme lui avait dit que c'était bien qu'il ne se soit pas trouvé à Sycamore la nuit précédente à cause de la disparition de Maria. Et il s'était permis d'ajouter que, de toute façon, il ne serait jamais suspecté parce que le père de sa petite amie était un adjoint du shérif. John avait ensuite montré au recruteur son petit livre noir, un carnet qui contenait les noms et les adresses des filles de sa ville, ainsi que leur taille de buste et de hanche. Bref, avec tout ça, on a en droit de se demander comment certaines choses ont pu ne pas éveiller les soupçons des forces de l'ordre à l'époque, et ça n'est pas tout. Parce que souvenez-vous, ils ont aussi fait passer un test polygraphe à John lors de l'enquête préliminaire. Les résultats avaient visiblement satisfait la police. Pourtant, lorsqu'ils lui ont demandé s'il avait déjà eu des relations sexuelles avec des enfants, sa réponse a été pour le moins inhabituel. Il avait révélé avoir déjà été impliqué dans un jeu sexuel avec une fille plus jeune, mais que c'était arrivé il y a des années. Et tout ça, c'est seulement la partie visible de l'iceberg, parce que 8 jours après la disparition de Maria Ridulph, John Tessier quitte Sycamore pour entrer dans l'armée, et vous allez voir que son comportement ne va pas aller en s'arrangeant du tout.
Après son départ du domicile familial, il suit une formation d'officier et va combattre au Vietnam comme lieutenant, ce qui lui vaut de remporter deux fois la Bronze Star. John rencontre une certaine Sonia, se marie avec elle et ils ont deux enfants, mais le couple divorce quelques années plus tard. Il reste dans l'armée jusqu'à la trentaine où, après avoir atteint le grade respectable de capitaine, il décide de quitter les rangs militaires pour rejoindre la police. John obtient son diplôme de policier en juin 1974 et trouve ensuite un emploi dans la petite ville de Lacey, près d'Olympie, où il fait la rencontre de Laura, une autre femme avec laquelle il se marie. Un second mariage qui tombe à l'eau trois ans plus tard à cause des infidélités de John. Et son statut d'homme de loi lui est d'ailleurs très utile auprès de la gente féminine parce qu'il s'en sert régulièrement pour attirer des femmes, voire même pour les piéger. En 1979, il travaille pour un département beaucoup plus grand, à Milton, près de Tacoma, et le chef de police Harold Burton, qui par ailleurs considère John Tessier comme étant incompétent et insubordonné, se voit rapporter pas moins de 5 incidents impliquant des femmes du coin, dont 3 étaient des contacts que John avait obtenus dans le cadre de ses fonctions. Par exemple, John Tessier, c'est le genre de flic qui peut tout à fait arrêter une femme pour conduite en état d'ébriété et finir par l'inviter à venir chez lui pour éviter les sanctions. Ou encore en sauver une autre qui a appelé les autorités parce que quelqu'un glisse des photos salaces sous sa fenêtre avant de finalement lui-même débuter une relation avec elle. On pourrait limite se demander si c'est pas lui qui les avait glissées sous la fenêtre, ces photos. Bref, John semble être tout l'inverse de l'officier de police honnête et droit. Il n'est d'ailleurs pas non plus très apprécié de ses collègues qui se plaignent régulièrement au sujet de sa conduite, mais malgré tout ça, étant donné que jusque-là les infractions qu'il a commises semblent rester mineures, il n'a jamais été inquiété par ses supérieurs. Jusqu'au jour où la révélation d'un énième comportement déplacé de sa part, cette fois beaucoup plus grave, va faire changer la donne. Cette révélation est faite par Michelle Weinman, une adolescente alors âgée de 15 ans. Lorsqu'elle rencontre John Tessier, elle est en fugue pour éviter que son père ne la punisse parce qu'elle lui a menti. Elle est rapidement rejointe dans sa cavale par une amie qui lui apprend qu'elle connaît un policier de Milton qui peut les héberger. C'est ainsi que les deux adolescentes se retrouvent à dormir sur un clic-clac dans le salon de John, âgé à ce moment-là d'une quarantaine d'années. Et si Michelle lui a d'office accordé sa confiance, en grande partie grâce à sa profession, elle remarque tout de même qu'il ne se conduit pas vraiment comme un père avec elle, mais plutôt comme un copain. Il l'emmène au cinéma, au restaurant, au centre commercial. Il lui apprend à conduire sa voiture de patrouille dans un parc surplombant la ville et il la laisse même essayer les gyrophares et la sirène. Bref, John adopte le genre de geste forcément apprécié par une adolescente de 15 ans, le tout en veillant tout de même à ce qu'elle suive ses cours au lycée. Mais les choses commencent à devenir vraiment malaisantes entre eux lorsqu'il lui apprend à se maquiller, à s'habiller et qu'il commence à lui faire des massages qui vont finir par déraper vers le bas de son dos. Très en bas de son dos, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça met évidemment Michelle très mal à l'aise, mais elle se dit que c'est un policier, qu'elle doit le respecter et qu'en plus, il l'héberge. Ce serait donc d'autant plus malvenu de sa part de se plaindre. Et John va grassement profiter du silence de l'adolescente, allant même jusqu'à l'agresser sexuellement au cours d'une nuit, un traumatisme dont elle va s'épancher difficilement le lendemain au lycée auprès de l'ami qui habite chez le quarantenaire avec elle. Sa confidence arrive aux oreilles d'un conseiller scolaire qui prévient la police immédiatement et le moins qu'on puisse dire, c'est que les forces de l'ordre du coin ne vont pas briller par leur empathie. En effet, les agents dépêchés sur place n'apprécient guère que de telles accusations soient portées à l'encontre de John Tessier, bah simplement parce que c'est l'un des leurs. Et au lieu d'écouter Michelle, qui vient pourtant d'être victime d'une agression sexuelle, ils vont la faire culpabiliser en sous-entendant qu'elle avait très probablement cherchée. Elle n'aura même pas le droit à un examen médical et si John Tessier a effectivement été accusé de viol, il a farouchement nié les faits et il a plaidé coupable d'une accusation moins grave, à savoir communication avec un mineur à des fins immorales. Il va même jusqu'à dire qu'il a accepté de plaider coupable pour ce motif simplement parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer un avocat. Sous-entendu, il n'a en fait rien fait. Suite à ce procès, il est mis en probation pendant un an et démissionne discrètement du service de police de Milton le 10 mars 1982. John se reconvertit ensuite dans la photographie et l'une de ses modèles lui présente une dénommée Denise Trexler en 1983. Denise sort tout juste d'une relation abusive, ce
qui la rend très fragile. Et en plus, elle a de l'argent parce qu'elle est ingénieure. John ne se fait évidemment pas prier pour sauter sur l'occasion et fait en sorte de devenir cet homme droit et protecteur dont elle a tant besoin pour se reconstruire. Et malheureusement, ça marche parce que 3 mois après leur rencontre, il vit déjà chez Denise depuis un moment et il se marie. Sauf que celle qui vient de devenir sa femme découvre assez vite que John n'est pas celui qu'il prétendait être du tout. Il devient rapidement contrôlant et émotionnellement violent envers Denise après leur mariage. Il lui répète qu'elle n'est pas assez jolie, la force à se maquiller et à s'habiller exactement comme il le veut, et lui dit que si elle essaye de le fuir, il la tuera. La prise de conscience est violente pour Denise, mais ce choc ne va malheureusement pas être le seul pour elle, parce qu'elle surprend un jour une conversation très perturbante entre John et sa fille, alors âgée de seulement 12 ans. Ce dernier tient une banane d'une manière assez particulière et fait des commentaires que, je pense, vous pouvez deviner. Plus tard encore, en voulant chercher quelque chose dans le tiroir d'un bureau, Denise sent que l'ouverture bloque un peu, et ce qu'elle découvre, en cherchant la source du problème, est pour le moins dérangeant. Il s'agit d'une photo récente de la fille de John, complètement nue, qui a été scotchée sur le dessous du tiroir. Alors après tout ça, vous vous doutez bien qu'en 1989, lorsque Denise apprend que son époux a rencontré quelqu'un d'autre et qu'il souhaite la quitter, eh ben elle ne fait pas beaucoup d'efforts pour le retenir. John Tessier semble avoir, au fil des années, fait du mal à beaucoup de personnes, essentiellement du sexe féminin, et il est loin de se douter qu'en 2008, son passé est en train de remonter tout doucement à la surface. En effet, les enquêteurs continuent toujours leur investigation sur le meurtre de Maria Ridulph, et finissent par enfin réussir à définir plus précisément l'heure à laquelle la fillette a été enlevée en 1957, ce qui, vous allez le voir, ne plaide pas la cause de l'ex-policier du tout. La ricotte mettra des mois à rassembler les informations nécessaires à la définition d'une nouvelle chronologie des événements qui se sont produits le 3 décembre 1957. Et, comme je vous le disais, ce qui l'intéresse tout particulièrement, c'est de savoir précisément à quelle heure s'est produit l'enlèvement de Maria Ridulph, parce que s'il s'avère que les forces de l'ordre se sont trompées à l'époque, beaucoup de questions restées en suspens pourraient alors trouver une réponse. Il semble d'ailleurs que la ricotte ait eu raison de se concentrer là-dessus, parce qu'il finit par déduire que Maria a été enlevée au plus tard à 18h20, ce qui invalide de fait l'alibi de John Tessier. En effet, entre 18h20 et 19h-19h15, il aurait été tout à fait possible pour lui de faire le trajet de Sycamore à Rockford et d'y passer un appel pour se couvrir avant de se débarrasser du corps de Maria. Et des recherches plus approfondies sur les raisons qui ont poussé les autorités à négliger certaines pistes le concernant lors de l'enquête préliminaire révèlent qu'il a bénéficié d'un traitement de faveur parce que William Hindenburg, qui était alors le chef de la police, était ami avec Ralph Tessier, son beau-père. John Tessier sortait d'ailleurs avec la fille d'un adjoint du shérif du comté de DeKalb à ce moment-là, une chose dont, rappelez-vous, il s'était vanté au centre de recrutement de l'armée de Rockford, arguant que grâce à ça, il ne serait jamais soupçonné de l'enlèvement de Maria Ridulph. La petite amie en question, qui était alors connue sous le nom de Ian Edwards, va être retrouvée par les enquêteurs et il va se produire une chose assez incroyable, parce qu'il s'avère qu'elle est à même de leur fournir une photo d'époque de John qu'elle avait conservée durant 50 ans. Cette photo, la police la montre à Cathy Sigman, l'amie de Maria, qui est la seule à avoir vu le visage du ravisseur de Maria Ridulph. 6 photos sont alignées devant elle, et pourtant, elle ne met pas bien longtemps à montrer du doigt le portrait numéro 4, en affirmant que le fameux Johnny, c'est lui. Malgré les 50 ans qui se sont écoulés, le visage de l'homme est toujours resté gravé dans sa mémoire. Et bien sûr, le portrait numéro 4, c'est celui de John Tessier. Ce dernier devient donc officiellement une personne d'intérêt dans l'enquête, et ce n'est pas son changement d'identité qui va empêcher les forces de l'ordre de lui mettre la main dessus. Parce qu'en effet, John Tessier est devenu Jack Daniel McCullough peu après un 4e mariage dans les années 90, et il semble également s'être adouci. Il est marié à la même femme, Sue, depuis 20 ans, et il a en grande partie élevé Janie O'Connor, la fille de Sue, issue d'un premier mariage, qui a elle-même des enfants aujourd'hui. Des enfants qu'elle confie d'ailleurs souvent à sa mère, et à Jack, qu'elle considère comme son propre père.
Ce dernier, maintenant âgé de 71 ans, est appréhendé le 29 juin 2011, à la fin de sa permanence de gardien de nuit. Les enquêteurs le menottent et l'emmènent au commissariat, puis en salle d'interrogatoire, sans pour autant lui dire frontalement qu'il est considéré comme un suspect. Jack se montre étonnamment amical envers eux, au point même de faire des blagues. Mais les questions se succédant, il perd sa bonne humeur et se met parfois même en colère, tout en restant très évasif concernant sa famille. Ça vaut également pour l'agression sexuelle dont sa sœur, Jeanne, l'accuse parce qu'il nie l'avoir violée et dit s'être simplement amusé avec elle. Près de 3 heures après le début de l'interrogatoire, Jack McCullough accepte de passer un nouveau test polygraphique, mais lorsque les questions deviennent personnelles, il alterne entre rage et calme avant de finalement dire qu'il veut arrêter le test. Et au sujet de la petite Maria Ridulph, il dit qu'il se souvient très bien du fait qu'elle était très jolie et qu'elle avait de grands yeux marrons. Il insiste vraiment sur sa beauté, ce qui ne manque pas de mettre les policiers assez mal à l'aise, parce qu'il parle presque de cet enfant comme d'une femme dont il aurait été amoureux. Ce qui est dommage, c'est que si Jack se souvient très bien de la beauté de l'enfant, il se souvient en revanche beaucoup moins bien de son emploi du temps, le jour de l'enlèvement de Maria. Il dit aux enquêteurs qu'il ne se rappelle pas du moyen de locomotion qu'il a utilisé pour se rendre à Chicago, le matin du 3 décembre 1957, et ses trous de mémoire sont apparemment assez conséquents, vu que quand on lui présente la série de 6 photos, dont la sienne fait partie, il ne se reconnaît même pas. Peu de temps après, Jack McCullough admet enfin que, oui, c'est bien lui sur le portrait numéro 4, et qu'il a juste eu du mal à se reconnaître parce qu'il fait très efféminé sur ce cliché. Ouais, bon, bah, on est bon menteur ou on l'est pas, hein. 8 heures après son arrivée au commissariat, les enquêteurs annoncent au suspect qu'il est en état d'arrestation pour l'enlèvement et le meurtre de Maria Ridulph. Et dans la foulée, ils envoient la vidéo de son interrogatoire au procureur Clay Campbell du comté de DeKalb. Le procureur, qui était réticent à prendre l'affaire à la base, en raison de son ancienneté et surtout de l'absence de preuves physiques reliant Jack McCullough au crime, se laisse néanmoins convaincre par la multitude de témoignages recueillis et les nombreuses incohérences dans les investigations de l'époque. Jack McCullough / John Tessier est officiellement inculpé et il va être jugé. Le procès qui s'ouvre en avril 2012 n'est pas un procès pour meurtre, mais un procès pour viol, celui dont Jack McCullough est accusé par Jeanne Tessier, sa demi-sœur. Cette dernière ne voulait à la base pas porter plainte, mais elle avait accepté de le faire si ça pouvait aider à faire avancer l'enquête pour le meurtre. Les avocats de la défense utilisent l'ancienneté de l'affaire contre la plaignante, arguant que c'est incohérent qu'elle ne vienne se plaindre de son viol que maintenant, et qu'en plus, le fait qu'elle ne se rappelle pas bien des détails de l'agression, c'est assez étrange. Michelle Weinman est également présente en tant que témoin pour attester du passé de prédateur sexuel de l'accusé, mais ça ne suffit malheureusement pas à convaincre le juge qui acquitte Jack McCullough. Le procès pour l'enlèvement et le meurtre de Maria Ridulph s'ouvre quelques mois après, en septembre 2012, et rapidement, les résultats d'une nouvelle autopsie conduite récemment sur son corps sont révélés. L'enfant, qui n'était âgé que de 7 ans, a été tué de plusieurs coups de couteau au niveau de la gorge. De nombreux témoins sont appelés à la barre, au nom de l'accusation, y compris les membres de la famille de Maria, les voisins, certains membres des forces de l'ordre et Cathy Sigman, qui a formellement identifié Jack McCullough comme étant Johnny. La défense, elle, fait valoir que les procureurs et la police ont subi des pressions de la part des familles Ridulph et Tessier pour résoudre l'affaire et impliquer Jack McCullough, bien qu'il n'y ait aucune preuve physique, mobile, ni même indication qu'il était dans la région quand la fillette a été kidnappée. Malgré tout, le 14 septembre 2012, Jack McCullough est reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de Maria Ridulph et il écope d'une peine d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 20 ans. Mais ça n'est pas fini. Ne partez pas tout de suite parce que vous allez voir que ça ne va malheureusement pas s'arrêter là. En 2015, Jack McCullough, qui a toujours clamé son innocence et prétend avoir été injustement condamné, dépose une requête en réparation et demande que sa condamnation pour meurtre soit annulée. Celle-ci est rejetée, mais il en dépose une autre qui, cette fois, ne peut pas être rejetée sans une audience du bureau du procureur de l'État. En réponse aux motions, le procureur de l'État du comté de DeKalb, Richard Schmack, procède à un examen approfondi des preuves, ce qui l'amène à conclure que Jack McCullough n'a pas pu commettre le crime et qu'il est
innocent. Selon lui, certains documents importants ont été écartés du procès pour meurtre, notamment un qui établissait clairement les allées et venues du suspect le soir de l'enlèvement de Maria Ridulph et qui soutenait son alibi. En particulier des relevés téléphoniques d'Illinois Bell qui montrent que Jack McCullough a passé un appel en PCV à sa mère ce soir-là à partir d'une cabine téléphonique au centre-ville de Rockford plutôt qu'à partir de Sycamore comme il avait été suggéré lors de son procès. Pour Richard Schmack, compte tenu du moment auquel a été passé l'appel téléphonique, de la distance d'environ 60 km qui sépare Sycamore de Rockford et de l'état des routes glacées à ce moment-là, il ne pouvait pas se trouver sur place au moment de la disparition de l'enfant. Le 15 avril 2016, le juge William Brady, du tribunal itinérant de l'Illinois, annule la condamnation et la peine initiale de Jack McCullough et ordonne un nouveau procès. Jack reste accusé du crime, mais il est libéré sous caution ce jour-là, dans l'attente de son nouveau procès. Une semaine après, William Brady rejette les accusations portées contre Jack McCullough et le 12 avril 2017, ce dernier est déclaré innocent de l'enlèvement et du meurtre de Maria Ridulph par le tribunal itinérant du comté de DeKalb. Ouais, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, Jack McCullough est libre et blanchi de toutes les accusations qui pesaient contre lui. Attendez, c'est toujours pas fini. Parce qu'aujourd'hui, il est également devenu un homme riche. Après sa sortie de prison, il a intenté des procès et a demandé des dommages et intérêts aux villes de Sycamore, de Seattle, mais également à l'état de l'Illinois, qui lui ont versé en tout près de 5 millions de dollars. Et officiellement, l'affaire Maria Ridulph, qui aura 66 ans cette année, reste à ce jour non résolue et détient par ailleurs un bien triste record, celui du plus vieux cold case ayant été jugé aux États-Unis. Alors, la justice a parlé, mais j'avoue que personnellement, je ne suis pas très certain qu'elle ait eu raison. Et vous, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez que Jack McCullough est aussi innocent qu'il l'a toujours prétendu ? Ce qui est certain, c'est que l'homme est un loup pour l'homme et qu'il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres et créatures imaginaires. Salut.